Salut à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de mots histoire avec une spéciale de... Moi je ne sais pas l'histoire, mais bon, après ça je les aurai en ligne. Ça va Franck là? Ah, tu veux pas parler de ta bouche personnelle, de ma bouche? Non. Mais on va pas l'écraser cette femme. La maman de Franck là, elle est folle. La preuve, on ne s'est même pas passé. Mais regardez-moi ça, c'est n'importe quoi ça. Bon, elle répond pas. Mais regardez, elle est vraiment proclée à parler, mais elle répond même pas. Pourquoi elle fait ça? Elle fait du drôle de yoga. Moi, je veux pas ma femme plus tard faire ça. Hein. Demandez en commentaire si ma femme elle fait ça. Je pourrais des questions. Enfin, si sa mère est comme ça. C'est une erreur. Mais je pense que c'est elle qui a la meilleure musique. Elle se fout plus pas moi. Ah bah voilà. Dommage que Rostan s'est pas sorti par derrière. Dommage. Et moi je vais aller fouiller dans le frigo. Ah non, on va aller boire un verre. Mon bière. On ne dit rien. Je suis grand, je suis adulte. Bon. Alors. Comment elle est? J'ai jamais visité toute la chambre de... Maman. Regardez-moi ça. C'est exagéré. Vraiment. Et si ça c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Première personne, bordel putain. Une planche à repasser. Une manne vide qui est là, une paintball. Et dommage qu'on ne s'est pas sorti par là. C'est dommage, par contre on peut voir la vue. L'heure est déjà pas juste. Au lieu de nettoyer son évier. Ah, ça peut être sale, c'est dégoûtant. Ici, bah, y a la table, ça l'a mangé. Bon petit table, par contre. Voilà. Avec les photos de souvenirs. Ça, c'est bien fait. Et si le fauteuil, c'est le bordel. Elle fume en plus! Berk, caca! Un peu de poste qu'elle a. Une télé. Ou si ça fait déjà. On est dans cette pièce. Ah! Une bonne petite mémoire, pourquoi j'aime bien. Ça, j'aime bien, c'est stylé. Ouais, on va se laver, on ne sait pas. Les toilettes! Intéressant. Non. Bon, ben là, la chambre de Franck, là, qu'on est bien. Ah, et tu dis, hein? Ah, c'est stylé, ça j'aime bien par contre. Le disjockey! Ah, ça j'adore. Par contre, j'ai jamais fait une petite télé pour un jeu.
Ouais. Il met la marque, lui. Regarde ça, il met la marque. Hein. Est-ce qu'on se voit? Ah bah oui. Il est pas mal, bien fait. Une colonisation, ouais, pour l'air frais. Par contre, on a dû l'ouvrir le rideau, lui. On aime bien la petite vestiaire ici, on n'a jamais marqué. Petit soulier pour sortir, rentrer. Il y a un truc qui va pas, je joue même pas en ligne. On va rentrer. Voilà. La maison de Franklin, si tu si connais pas des oiseaux. Le bordel. Nous, on va aller dans la maison de. En ligne! Ciao, Franklin, je te laisse. Merci de vous visiter. Ah, nous, on va aller en ligne. Attendez, à tout de suite. Attendez, j'ai un petit message. Mon madame, je suppose qu'il est dans sa maison. Tu m'as gardé. Attendez une minute. Pas pour répondre, voilà en ligne. Donc, bon, bah, je suis déjà connecté il y a 2 minutes. J'avais coupé un peu 2-3 minutes le micro. Alors, on va commencer. Bah, spécial permis de conduire. J'ai dit ça pour la voix. J'ai vite, vite sonné à ma copine. En parlant de permis de conduire. Qu'est-ce qu'elle pense? Non, elle m'a raccroché, je ne sais pas. Enfin, bref. J'espère que vous avez passé un tout beau week-end comme d'habitude. Que ça va que j'ai venu. Le premier permis de conduire, c'est un grand véhicule. On va le chercher après. Il va faire noir, je savais. Voilà, même pas il fait noir, mais il fait 4 heures du matin, c'est parfait. On va appeler. Elle est là. Moi, je ne sais pas ce qu'il va être, je suppose ce qu'il va être dans le. Ça s'appelle comment?
So your specialty vehicle is available for collection right now. We hope you're very happy, sir. Ah, bizarre. Qu'est-ce qu'il raconte, qu'une couillonnade. C'est dommage qu'ils n'ont pas tous ces... Là, je vais monter d'un gros véhicule. Il est interdit de passer par là, mais... Moi, je m'en fous. Le premier état que je vais chercher... En début de la vidéo, je roulerai vite fait par attention. Moi, je voulais voir quelqu'un qui fait avec moi. Mais comme je disais, je suis tout le temps tout seul. Je vais faire tout seul. Pas normal. Hein. Ah, il me fait chier. Ah, le voilà. Bon. Première chose, c'est plus important. Là, je vais vous montrer mon bus, hein, avec ta couleur comme Verviers. Bon. Il est beau, en plus j'aime bien la couleur. Bon, j'ai déjà été, mais j'ai déjà vu comment il est. Bon, je sais bien que ce n'est pas le tech. On va dire que c'est le bus tech. On va dire que c'est le tech. Bon, voilà. La première chose qu'on va faire, hein. Comme j'ai un bus, on va rentrer dans le bus. Voilà. On va dire que je suis dans le bus parce que... Pas mal les dessins de cartoons devant moi. Voilà, la première chose qu'on voit, le bus. La première chose qu'on voit, c'est le chauffeur qui rentre dans le bus. Bon, on va dire que c'est le départ. Voilà, l'intérieur du bus. La sonnette, je ne sais pas où c'est. La deuxième chose, c'est que la sonnette, pour voir s'il va. Hop. Deuxième chose, je vais regarder s'il n'y a pas une arrêt de bus. Voilà. Alors, le plus important, un chauffeur, il sait très bien, un hein, chauffeur du bus. Ouais, un chauffeur de car, mais ça s'attire de sécurité. Très important, la ceinture de sécurité. Encore un accident. Ok, on va regarder après. Je crois qu'il tourne. Il m'a fait vraiment peur. Regardez la belle petite piscine ici, elle est belle. Très important, bien freiné avec le... Ah, tu souhaites. On entend tout. Au moment qu'on est dans le bus, on n'entend pas les gens en train de faire un tchoum ou quelqu'un qui parle. Mais on est dans les oreilles, dans... Voilà. On entend tout.
poignée. Oh là, on y va. Et comme moi je suis poignée. On va là à fond. Hein. Voilà. Oh, c'est sa fin. En fait, sa fin va dans la vue rouge. On va pas s'en sortir. On rappelle que maintenant, mon histoire, je peux le faire. Hein. Quand tu vas là, quand tu es tout seul dans la session, je peux le faire. Mais je préfère ça en ligne. Comme ça, tu sais bien que tu piques pas la vue d'un autre. Tu attends au bus. Et on va faire ça avec plusieurs véhicules. Hein. Donc je sais pas ce qu'il y a une arabie sans centre. Ça, voilà, tu vois. Ça je n'aime pas par contre. Les gens sont pas vraiment pressés. Ils ont un dernier moment que le feu rouge. Là. Moi, je vais essayer de passer un ou deux feux rouges parce que c'est autrement. Regardez la, mais pas la belle vue sur l'autoroute ici. Ou même belle vue. Parce que on va voir, on va aller dans le, on va aller jusque là, il y a un arrêt de bus. Hein. Donc autrement ça va prendre du temps à chercher une autre tic tac. On n'a pas une là, non. Bon, on y va. On va s'arrêter devant la Red Bull. Très important, quand vous voyez une personne, on va faire croire que la porte est ouverte. Bon. Voilà. Une fois qu'on arrive devant la Red Bull, on va faire croire que les gens sont montés, les deux gens. Les PNJ qui sont là, on va faire croire que les deux PNJ sont montés. Prenez sûr que le chauffeur, il dit bien bonjour. Bonjour, merci. Et s'il y a des gens qui disent par exemple, c'est combien le bus en Belgique et c'est le tech. Ben c'est 2,50 je pense. Non, 2,50, c'est cher. Hein. Je m'en... Enfin, je ne sais plus quoi. Oh, ou autrement, c'est quel abonnement. Surtout quand il y a une personne que le chauffeur dit bonjour, le chauffeur il donne des bonjours. Et voilà, et que les gens sont venus dire bonjour, qu'ils ont bien payé, qu'ils payent pas. Ben, voilà, la rébus numéro 2 est là, donc c'est parfait. On limite, on va faire un petit coup. Un petit casse pour faire quoi? Moi aussi. Dis-moi dans les commentaires. Ici on met pas la ceinture, hein. Regardez-moi ça. Évidemment, avec votre bus ne fait jamais ça. Hein. Voilà, un petit devant là. Je répète. Le chauffeur lui dit au revoir. La personne était obligée de dire au revoir et de polie. La politesse, c'est de dire bonjour quand on rentre dans le bus et quand on va dans un autre bus, c'est de dire au revoir, merci, bonne journée. Ça, c'est la politesse. Il y a beaucoup de gens qui montent dans le bus, ils ne disent pas bonjour au chauffeur. Même si le chauffeur ne veut pas dire bonjour, ça aussi, c'est. Voilà, c'est pas poli. Ça, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc, voilà. Évidemment, à chaque fois qu'il y a un arrêt de bus, les véhicules, les voitures ou une moto, n'importe quoi, une camionnette ou un camion, ne peuvent pas se garer devant un arrêt de bus, c'est pour les bus.
Regardez-moi ça. Voilà. Nous, avec le bus, on va se quitter là. On peut pas le déposer n'importe où. C'est mon bus, donc je vais voir où est-ce que je suis. Je vais le mettre dans le, on va le mettre dans le sens. Toujours faire croire, on va le mettre, toujours faire croire que tu tournes. Ici, évidemment. Il ne faut pas faire ça, vous dites vrai ça. On va laisser le bus là, mon bus personnel. Voilà. Avec une bonne porte ouverte, ouais. Alors. Deuxième code de la route, très important. Je vais courir un petit peu. Voilà. Si vous voyez qu'il n'y a pas de passage et le passage sur le web, on va dire qu'il n'y a pas de feu rouge. Prenez source. Se garder d'abord à droite. C'est pas de voiture. Donc on va faire comme ça. On a personne, voilà. Donc c'est faire. Regardez à gauche, en fait, s'il n'y a pas de voiture, il y a une voiture qui va passer par là. Voilà, maintenant on peut traverser et on traverse. Très important. Ça, c'est pour une ressource. Quand il n'y a pas ce qu'il faut traverser, tu dois peut-être traverser. Parce que la voiture, parfois, on ne voit pas. Mais ici, il y a un passage. Deuxième chose. Toujours attendre que le feu rouge est rouge. Il y a beaucoup de monde qu'il ne faut pas. Donc, on va prendre une personne. Une fois que le feu rouge est rouge, c'est rouge. Il ne faut jamais traverser. Sauf s'il est orange, il faut aller vite au mieux. Regardez, il y a le tram qui passe. Donc voilà, une fois que c'est vert, vous pouvez traverser tranquillement. À toujours garder, parce qu'il y a toujours un malin. Une fois que c'est rouge, ben voilà. Et comme je voyais qu'il n'y avait pas de feu rouge, j'ai traversé avec le même feu rouge des voitures. Parce que le feu rouge américain, c'est ce petit bazar là, au-dessus, mais moi. En Europe, en Belgique, c'est comme ça. En Belgique, en France, en tout cas, c'est comme ça. Voilà. Comme vous voyez, un petit carrefour de rien du tout. Toujours garder à droite et à gauche. On ne sait jamais. Il y a toujours une voiture qui peut passer. Ou un petit malin. Voilà. Voilà. Donc moi, maintenant je vais prendre, je vais appeler mes mécanos. Et ça, c'est très important. On voit ça. Je le bus va disparaître ou il va rester là, je ne sais pas. Alors toujours garder à gauche, à droite, vous voyez que je suis pas en autorité. Alors. Troisième exercice, très important. Attends. Quand la voiture, on va dire que la voiture s'est bien garée.
si vous qui vous conduisez la voiture, toujours garder sa pas une note très importante de le mettre sur le côté, bien sur le côté, devant la portière comme ceci. Et rentrez bien dans la voiture. Regardez si la voiture veut passer, elle passe. Évidemment, ici dans la radio, hein. Une fois que vous êtes dans la voiture, avant de démarrer la voiture, toujours mettre sa ceinture de sécurité. Très important. Le plus important. Et quand on va tourner notre petit client à gauche, si vous tournez, donc je vais faire un essence, je vais faire quoi, cliquer à la voiture tourne. Voilà. Je fais croire qu'elle veut ne pas rouler trop vite. Ces hommes se tendent. Je veux. Si qui va le GPS, il doit écouter le GPS. Moi je vais mettre une barre et autres, tu vas aller. Oh, bon bêtise. On va aller jusqu'ici. Donc c'est vraiment très important si la personne s'est oubliée dans le feu rouge, c'est klaxonné. On va voir mon bus s'il est là. Ben voilà, l'autoroute est là. Hein. Très important de mettre son clignoteur si vous tournez à gauche ou à droite. Et comme on roule comme les ormeaux. N'aidez pas à dépasser les limites d'autoroute. Très important de mettre toujours sur le côté, rester du côté gauche. Donc nous on va rester du côté gauche ou droite. Mais si vous allez plus loin, restez bien sur le côté gauche car on continue à rester sur l'autoroute. Et si les voitures vont pas vite, c'est vraiment. S'il y a plusieurs voitures, on va aller plus vite à gauche, gauche, gauche. Ici, à boucher sur l'autoroute. Respectez. Ne venez pas presser. C'est vrai, il faut attendre. Il faut que les voitures aient des bouchons. Au moins, je veux quand même presser. Moi, je vais faire combien de faire ça, c'est dans GTA. Donc je reste bien toujours à gauche et à droite. J'accélère sans toucher la manette. Enfin, si vous avez un frein, je roule pas trop vite. Regardez-moi ça, la belle voiture que j'ai vue passer. Et si j'ai décidé de quitter le tour tout de moi, ben je vais côté à droite. Placement et toujours mettre un ralentissant, là vous commencez à ralentir tout doucement et vous tournez avec le à droite et vous quittez l'autoroute. Là vous roulez normal, ça sert à rien. Et plus important, c'est rouler tranquillement. Il n'y a pas besoin de. C'est comme ça qu'on élimine les accidents. Et ici, on va dire que la plaque, c'est zone 7 ans, donc on peut rouler pas trop vite. Si vous voulez tourner à gauche, on tourne à gauche. Si vous voulez tourner à droite, on tourne à droite. Mais toujours mettre sur. Voilà. Si vous voulez faire demi-tour et vous ne trouvez pas le bon chemin. Je vais un petit peu accélérer la voiture, donc j'ai fait exprès. On va vous faire pas attention. En ce moment-là, très important, il faut freiner. Bien. Regardez bien, c'est pas une voiture derrière vous. Donc vous tournez, comme mon bonhomme fait. Vous mettez bien comme ça. Et vous tournez tranquillement. Si c'est un gros véhicule, ben.
Évidemment, vous n'avez pas le choix. Avec la petite, j'ai un petit peu hâte, vous. Voilà. Et puis, bah, vous reprenez la route et vous roulez normal. C'est simple, hein. Pourquoi rouler vite? Moi, je... Je sais bien qu'il y en a qui sont pressés pour aller travailler, mais ça sert à rien. Et quand vous voyez stop, merci, c'est le portier. On s'arrête de vous garder à droite et puis à gauche. Et voilà, j'ai une voiture qui va passer, on ne sait pas s'il va aller où. Voilà. Et puis à ce moment-là, on y va. Il n'y a pas de voiture, vous avez bien regardé. Si vous prenez l'autoroute de côté droite, vous prenez le côté droite. Si vous voulez prendre l'autoroute, aller tout droit, prendre l'autoroute, moi je vais tout droit. Ah, pas dépasser. Toujours clatiner, ben moi je clatine, c'est pas quand je passe en dessous du pont. Enfin, pas pour du vrai, hein. Du vrai, on peut pas. Toujours garder avant. Ça c'est parce que je vais recommencer, hein. C'est ma faute. C'est parce qu'avec la caméra c'est pas facile à regarder s'il n'y a pas une voiture. Une fois qu'il n'y avait pas de voiture, c'est un peu ma faute. Hein. Regardez bien. Et toujours regarder à droite, une fois vous connaissez. Allez tout devant, aller à gauche. Restez bien à gauche souvent. Et s'il n'y a pas de voiture, vous restez à droite. Tout simplement. Excusez-moi. Ne roulez pas vite, trop vite sur l'autoroute une fois qu'il y a le bouchon. Autrement, c'est parti. Moi, je reste à gauche. Je roule, regardez à gauche. Je vais tourner vite. Mais je lâche. Mais je sais bien que je lâche jamais le volant. Je sais bien qu'il faut jamais le... Lâchez le volant. Donc si vous mettez. Voilà, je lâche jamais mon volant. Jamais. Je suis bien concentré de la route. J'ai pas de voiture. Sinon, ça va si vous voulez quitter l'autoroute. Ne pas dépasser la ligne blanche. Ici, c'est un double. Si vous voyez qu'il y a un souci, que la voiture n'avance pas. Donc voilà, ici vous pouvez dépasser exceptionnel comme ça. Et là, mettez bien vos clignotes pour dire que vous quittez l'autoroute à droite, bien à droite. À droite. Et vous voyez le moment, il y a stop, vous arrêtez. Vous regardez à gauche. Et puis à droite, si vous allez à droite, moi je vais aller à droite. Si vous allez à gauche, vous tournez à gauche. Si vous allez à droite, vous allez à droite. Gauche, gauche. Toujours prenez. Attendez que le feu rouge vous sort bien vert. Regarde, toujours tourner. Donc le feu rouge, c'est dans le temps. Maintenant, on va faire ça avec une moto. Après cette voiture-là, puis ce sera un peu tout. Surtout. Voilà. J'ai fait ça exprès parce que c'est. Ouais, c'est exagéré. Que vous voyez. Je sais pas ce qu'il raconte. Vous voyez, on va dire qu'il n'y a pas de feu rouge. Donc ici, moi je vais tourner direct. Je suis déjà trop pris de chemin. Bon, on peut récupérer une fois ici, il n'y a personne. Très bien. Toujours regarder s'il n'y a pas. Puis toujours regarder évidemment devant vous. Là, je voyais, je mets mon client à chaque fois que je fais semblant. Mais à un moment, c'est dommage qu'on ne sait pas faire. Et si vous voulez rentrer calmement chez vous, toujours rentrer. Et voilà. Bah ici, une fois que vous rentrez chez vous, vous rentrez.
Parce qu'après ça, je vais faire autre chose. Il connaît la place, hein. Voilà. Beau. Ah bah là voilà. Ma moto. Alors, la moto. Le plus important, une fois. Hein, c'est. Mais le casque, c'est obligatoire. Alors, c'est surtout beaucoup mais une moto, une quad. C'est toujours obligatoire de mettre un casque. Donc je vais sortir. Alors, le plus important qu'une moto, c'est pas rouler vite comme un saut. Je vais faire attention. T'as vu, je sais pas pourquoi une flash qui est là, je suis chez moi. Alors, je n'ai jamais fait le goggle avec une moto. Rouler juste normal. Donc moi je vais tourner où? À droite, pas à gauche. Je vais pas aller là, moi je vais là. Voilà, une fois que c'est vert, respectez. Bah ouais, bah ça c'est. Respectez le conseil de vitesse. Comme le PNJ s'arrête bien. T'as vu le PNJ et moi, la même couleur de casque. Sauf que le PNJ, bah. On a tous les trois à bord de moto. Toujours nous, les motos, maintenant à vélo. Tu dois toujours mettre à côté de gauche. Le PNJ est devant moi, il y a un autre PNJ en moto. Ah ouais, le PNJ. Alors. Bon. Voilà, on va aller ici. Bon. On va aller ici. On va aller ici. Alors, celui qui veut faire ça, en quad ou moto, faisait pas ça dans un parking où il y a des magasins. Interdit, autrement vous se faire ramasser. Et ne faisait même pas de vidéos sur ça, celui qui veut faire des vidéos. Et celui qui veut faire ça en moto, là. Ne faisait pas trop de vidéos sur ça parce qu'il y a des gens qui aiment, des petits qui aimeraient bien faire ça aussi et qui font très mal, donc c'est dangereux. Donc ceux qui veulent faire le Google en moto comme ça. Oh pardon. Et tu sais, ben essayez pas trop faire des vidéos sur ça parce que les enfants ont envie de faire ça et il faut croire que c'est que. Pour eux, c'est un jeu, non. C'est comme ça. Enfin, ici, c'est. Si j'étais assez petit. Voilà, ça, c'est un conseil. Moi, j'aime pas les quads, de toute façon. Voilà. C'est très important. Alors, passage de niveau. Ouais.